Bonjour, bonjour, bonsoir, c'est Zamou Wanda Tito TV. Et donc, nous avons longtemps que nous parlons là ensemble avec vous. Donc, qu'est-ce que nous portons pour aujourd'hui? Nous portons ça qui est pour Corel Joe X3. Donc, je pense que dans une vidéo que nous avons déjà, et ça fait des temps, que nous avons montré comment que vous êtes capable d'installer Corel Joe 13 là, facile, simple, tout crack. Et ensuite, nous venons faire connaissance ensemble avec Corel Joe. Donc, évidemment que vous lancez Corel Joe, c'est comme ça que vous avez besoin d'interface lui-même qui est ouverte. Donc, vous regardez la première partie ça. Donc, dès que vous venez là, c'est le premier bagage que vous avez besoin de vous faire lancer Corel Joe. Donc, partie ça, c'est ça que nous-mêmes, nous avons commencé à travailler sur Corel Joe. Donc ici, c'est si toutefois que vous gagnez des bagages que vous commencez à travailler sur Corel Joe, vous avez besoin d'ouvrir ou seulement aller là pour ouvrir. Là, lui-même, il a bon accès avec de... Bon, ça, il joue à Timoun, et n'est qui parle de travail, n'est qui parle reçu, des templates que vous avez pour travailler, ou seulement modifier, ou seulement vous-même, vous mettez soit texte, image, etc. Donc, vous avez tout travail, donc vous-même, vous allez regarder là. Donc là sont l'autre bagage encore, on va regarder quelques petits tutos, comment on est capable de lire quelques bagages, comment on est capable de travailler là-haut. Donc ici lui-même, c'est qui nouveau bagage que Corel Joe 13 a lui-même, il gagne, qui l'autre version extérieure lui-même, il n'a pas gagné. C'est ça seulement qui gagne directement. On entre directement en dans New pour nous faire connaissance avec l'interface Corel Joe. Donc là, nous avons interface Corel Joe nous pourrons faire connaissance ensemble avec lui. C'est même genre ouvert Word, Excel, PowerPoint Access, l'autre logiciel encore ou je comme ça. Mais avant que vous devez faire connaissance avec interface Corel Joe. Donc ici, quand vous avez marqué File Edit View, vous relez ça au bas de menu. Ok, ça vous relez bas de menu. Et ensuite, ça aussi bas d'outils. Donc, on va faire connaissance avec tout, yon par yon. Là, ouais, menu bas, qui c'est bas de menu. Là, on va prendre deuxième. Bas d'outils standard. Donc, on va faire connaissance avec tout, ensemble avec Wanda Tuto. Ou pas besoin de faire, ou mettre ouvert Chrome. Et ensuite, nous avons barre de propriété. Donc, trois bas ça, c'est eux-mêmes qui est essentiel dans Corel Joe. Au besoin qu'on ait, côté haut et côté haut placé. Et ensuite, nous avons l'autre bas. Et il est ça, bas toolbox. Donc, nous-mêmes, on est nous relève bas magique. Ouais, bas magique. Et tout ça, nous pouvons le faire, c'est avec nous pouvons le faire. Ça, c'est bas. Tout petit détail ou ap fait, tout bel design ou ap fait, c'est lui-même ou ap utilisé ou le tout box. Je te l'emplace. Là, ensuite, nous l'autre bas là. Là, c'est palette de couleurs. Bon. Donc, toute couleur que ou ap besoin, c'est lui-même ou ap utilisé pour capable soit texte ou à couleur, soit ou bien objet ou à couleur, etc. Donc, Corel Joe, il est composé de texte, image, objet, et puis pour faire ça, on va faire. Donc, c'est un monde de Tito TV, ou même qui beaucoup abonné ensemble avec channel là. Fais ça qu'on y a pendant nous parler directement dans une autre vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine.